Me revoici. Donc aujourd'hui, moi j'ai été faire un petit footing. Donc vous pouvez aussi faire cette séance après un footing, une marche, un tour de vélo ou après un échauffement. En tout cas, on va travailler les jambes dans un premier temps et après plutôt le sol. Voilà, donc vous êtes prêts. Je vous mets la musique. C'est toujours le principe du Tabata. Allez, c'est parti. On commence par des squats. Allez, pied largeur du bassin. Si c'est bon, on en profite, on est dehors. Et les squats avec les bras tendus devant, les fesses bien en arrière. Alors, pour le prochain, il faudra se mettre dos au mur. Voilà, tout un mur à la maison. Voilà, pour faire la chaise. Voilà. Allez, dos plaqué. On s'assoit, on bouge plus. Là, vous allez vous mettre en équilibre sur une jambe. Vous pouvez prendre un appui hein, s'il y a besoin. Une chaise, ce que vous voulez. Et là, rapide, montez le genou sans poser le pied au sol. Alors, on va reprendre l'autre jambe. Vous allez monter genoux. Prepare et descendre sur le squat. Work. Montez haut, croisé là. Coup de genou. Change de jambe. Prepare. Allez, and work. On descend squat. La prochaine, c'est une descente. Hein. Je change de sens. Prepare and allez, on fait un avant et on descend. Toujours du même côté. Cycle 7, complete. Change de jambe. Prepare and allez, devant et on descend. Complete. Ok, on se retrouve au sol pour les abdos.